Très bien. Vous avez besoin de quelque chose? De ton rapport. Allez, il manque un rapport et après, ben... Je passe à la boucherie, hein, du coup. Hein. Ça va être chiant. Plus de 15 mobs à tuer. Poursuivons. Une autre fois. Intéressant. Allez, c'est parti. Ça va être long, ça va être chiant. Putain, la vache, il tape à 1002 quand même, hein. Sérieux? Bordel. Mise en masse de vie et il drop pas à chaque fois, ça casse les burnes. Ce genre de quête. C'est vraiment juste pour allonger la sauce, quoi. Je dois m'approcher. Ah bah super.
Je suis trop loin. Je suis hors de portée. Je n'ai pas de cible. Quand même. Je suis trop loin. Encore plus rare le drop, s'il te plaît. Franchement. Je m'amuse comme un dingue là. Oui, ça se vaut pas, hein.
Ah bah d'accord. Lui, il en a droppé deux. Renvoyez-moi. Je dois m'approcher. Allez, plus que 3 morceaux. Je suis hors de portée. Non mais vas-y, 2005 de dégâts, te fais pas chier. Non mais... Allez. C'était chiant. Cette quête était chiante. Ouais, le geôlier, s'il atteint le sépulcre, il va réécrire la réalité. Mais on crève de faim, donc faut aller chasser. Nique ta mère, t'envoies des péons faire ça, enfin je sais pas, enfin c'est... Je me suis planté de voix. D'ailleurs on a même pas regardé en vrai le territoire, mais ouais.
Une sorte d'équivalent à tourment là. Ah non, c'est. Ultime emprise. C'est un mec qui se déplace apparemment. Je vois pas en tout cas le lieu qui pourrait s'appeler le sépulcre. Ah. Il y a beaucoup à faire. Du coup, on a l'écharpe. Oui, je veux lier. Et alors, je vais recevoir le. Au revoir. En quoi puis-je vous aider ? Je vais recevoir deux fois ça. Alors du coup, le mieux c'est quoi? Couvre-bras. Ah non. Poignet. Alors, récréation temporelle. Plus 7 d'armure. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Du coup, la question c'est. Est-ce que c'est les poignets, hein? Alors. Ah bah les autres aussi sont liés donc on s'en fiche. Je ferai mon possible pour vous aider. Rejoignez-nous à Sandris et infiltrez les troupes entre Dige par l'est. Nous nous servirons des renseignements ainsi recueillis pour décider de la suite à donner à notre emprise, à notre entreprise. Faites attention à vous, nous ignorons tout ce qui nous attend sur place. Rejoignez Sandris près de Provis Centra. Strata. Les intrus se sont retranchés près de la porte. Encore bien. Si vous tenez vraiment à les affronter, cherchez d'abord là-bas. Il faut découvrir les projets du geôlier. Darion, menez l'armée des congrégations pour attaquer par l'ouest. Sandris, sans entrave, infiltrez-vous par leur flanc est et voyez ce que vous pouvez découvrir. Ok. Ok, en fait, les autres quêtes, elles donnent lieu après à d'autres. Oh, des avis de recherche? Ok, ouais, alors. Ouais, en vrai, vas-y, on va un peu découvrir. Vous savez que j'aime bien l'exploration, moi, dans World of Warcraft. Du coup, on va découvrir un petit peu. Et puis, j'aimerais déplacer la carte. Voilà, je sais pas trop pourquoi elle a été déplacée. Voilà. Du coup, par là, on y a été, hein. C'est. Je sais pas trop ce qu'il y a, mais voilà, on y a été.
chute dimensionnelle. Ok. Il y avait encore autre chose, mais plus loin, mais on ira plus tard. Juste on découvre légèrement, hein. Ah bah. Il était là le fameux Gugus là. Ouais, 300K quand même. Et puis ben, on est à destination, hein. Ok, alors il va falloir descendre. Apparemment, faut prendre la route d'à côté là. Des dévoreurs, d'accord. Donc il y en a aussi ici. Je ne rate jamais ma cible. La déesse vous protège. D'accord. Le peu que j'ai vu jusqu'à présent ne m'en dit pas plus long sur nos ennemis. Nous allons devoir mener l'enquête de plus près. Un signe de votre part et je vous dissimulerai. Je nous dissimulerai tous deux aux yeux de la soldatesque. Le soldatesque, d'accord. En revanche, gardez vos distances avec les seigneurs de l'effroi. Leur regard est assez pénétrant pour percer à jour le meilleur des camouflages. Explorez Provis Centrin en compagnie de Sandris Penlune. À votre signal. C'est donc ça, il cherche à contrôler la forge. Venez, trouvons l'un de ces obélisques. Hâtez-vous !
Le maître perd patience. Il nous faut un moyen d'accéder au sépulcre. Des automates dominés. C'est sûrement comme ça qu'ils manipulent les obélisques. Merde. Oh merde. Oh zut! Elle reste en arrière pour... Oh le bordel! Ouais ben j'ai aucune chance! J'ai aucune chance, là je suis mort! C'était évident! Et je ne peux pas voler. Oh bordel! Je suis si loin. Bon, de toute façon, il est bientôt l'heure de... que j'arrête cette session de tournage. Dans 20 minutes, il faut que j'arrête. Bon. Allons-y, nous sommes de retour ici, donc... On va essayer un autre chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois d'abord choisir une cible. Je vous écoute. C'est comme si c'était fait. Regardez, là-bas, ils ont déjà détruit un obélisque. Les obélisques canalisent l'énergie de la forge. Il faut à tout prix protéger les autres. La déesse vous protège. Sympa ça. À votre signal. Excusez-moi.
Ces obélisques sont la clé de voûte des plans de Zoval. Si nous ne savons toujours pas de quoi à quoi ils servent exactement, nous avons tout intérêt à empêcher les entreliges de les trafiquer. Je vais de ce pas en informer le généralissime Bolvar. De votre côté, allez prévenir Dorian Morgren. Il va devoir organiser ses défenses en conséquence. Oh bordel. Oh tant pis, je m'approche le plus possible. Et tant pis si je meurs. Et le pire, c'est que je vais survivre. C'est ça le pire. Tout n'est pas perdu. Pas encore. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la terrible fin. Voilà, c'est moche. Oh, c'est moche. Bon. Ah, va vraiment falloir que je repasse faire des transmous, hein, parce que mon perso, il ressent plus rien là. Mais bon. C'est tout, c'est comme ça. 189 le e-level. On est à 36K de vie, un peu plus. Ouais. Bon, bah écoutez, sur ce, moi j'arrête cette session de tournage ici. On prendra ces quêtes-là après. On arrêtera le geôlier à la prochaine session de tournage, si c'est possible. Et sur ce, bah, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Certainement. Bien, nous nous retrouvons pour moi, quelques jours plus tard pour moi. Et on Nous continue. connaissons bien le sacrifice. Donc je n'ai absolument rien fait hein, dans le jeu, j'ai pas. J'ai raté le moment où il fallait que je lance mes reventes, ce truc-là. Donc en fait j'ai juste déconnecté et je me suis pas reconnecté depuis. Attendez, je termine juste un truc sur mon téléphone et on est parti. Voilà. Alors, nos troupes ont tenu bon jusqu'ici, mais. Pourquoi? Mais. Pourquoi j'ai Thunderbird qui s'est lancé sur mon ordinateur? Eh oh! Reste tranquille. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai Thunderbird qui s'est lancé, j'ai dû cliquer dessus par erreur, j'ai pas compris. Nos troupes ont tenu bon jusqu'ici, mais le secteur est loin d'être sous contrôle. Nous allons avoir besoin de renforts pour décimer les rangs ennemis. Une simple formalité pour un guerrier de votre trempe. Certes. Tuer 8 combattants entre liges. Ok. Bon, on récupère les objets. Pareil, il faudrait que je repasse à ma congrégation pour les. Pour les. Voilà. Pour ces trucs-là. La chevauchée fantastique. Ah, oh, encore. Les quatre congrégations œuvres de conserve. Œuvres de conserve avec les automas. Œuvres de concert. Pas de conserve. Malheureusement, certains de nos soldats ont été séparés de leur bastion
ou blessés et ils ne sont pas en mesure de nous rejoindre. Si vous pouviez les aider, vous nous rendriez un fier service. Il y a une erreur de traduction là, c'est œuvre de concert, pas de conserve. Aider 5 combattants de la congrégation. Reste l'ombre d'un espoir. Nous sommes éternels. Nous sommes inflexibles. Faut que je réinvoque mon marcheur. Et du coup, bah, j'ai toujours pas été faire mes transmaux, hein. Donc j'ai un look, dirons-nous, discutable. Ah, ils me suivent après? Bah attendez, on va libérer d'abord les 5. Comme ça, on va être tranquille. Et sur une monture. Bon, ça c'est ok. Du coup, maintenant, on devrait défoncer des mecs sans trop de problèmes. C'est lui qui a fait ça, là? Oui, c'est lui qui arrive à m'enchaîner. Mais il le fait de façon automatique, il a pas la grue sur moi. C'est juste un sort de zone et je suis pris dedans. Ouais, c'est dès que j'aggro un mob à côté de lui.
c'est un effet passif, hein, c'est pas important. Oula, il y a beaucoup de... Non, c'est bon, les autres sont loin. C'est un effet de perspective. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de mobs au même endroit, mais non. Attendez, parce que c'est marrant là, avec les bonus, mais... Résultat, je sais même plus où j'en suis dans mes quêtes. Comment ça retourne vers le vide? On est où? Ouais, je suis bon en fait. Alors le jeu considère que je suis toujours engagé avec un mob, mais bah, ça doit être le boss là. Il n'y a pas de paix pour nous, pas de repos. Les chevaliers de la lame d'ébène ne faibliront pas. Vous avez entendu parler de ce Vakarn? Cela proviendrait de l'obélisque de Provis Flora. Comment est-ce possible? Nous n'avons pourtant laissé passer personne. Huit hommes de jeu, normalement, suivez-moi. Défendez l'obélisque de Provis Flora. Nous devons nous forger notre propre destin. Domine cette pauvre créature. L'âme des veines, arrêtez-la. Les seigneurs de l'effroi et du... À moi, Saint-Entrave! Vous arrivez trop tard! Non! Elle ne doit pas s'échapper! Pourquoi ils sont réapparus? Bon, au moins là ils sont ensemble, je vais même pouvoir... Attendez. Mais je peux pas le... Mais l'avantage c'est que là je peux faire ça. Merde, pourquoi j'ai fait ça? C'est bon.
Ok, d'accord. Il fallait les tuer deux fois, je sais pas pourquoi. Éliminez-moi ça! Il est costaud, hein. Eh Un ben, seul quel but combat! nous anime, la vengeance. Les seigneurs de l'effroi ont noyauté nos rangs. Ont noyauté nos rangs, d'accord, ok. Bolvar doit être informé de ce qui vient de se passer. Pour ma part, je ne peux pas quitter mon poste. Je compte donc sur vous pour le prévenir de toute urgence. Et peut-être les sages éclairés auront-ils eux aussi quelques conseils à nous prodiguer. Parlez à Bolvar Fordragon au refuge. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la terrible fin. Dommage, j'aurais bien aimé me faire le boss là qui est en combat là. Enfin bon, bref, pas grave. Ce sera pour une autre fois. Ensemble, si les obélisques contre les cèdent, ténèbres. les entreliges pourront accéder au sépulcre. Pardon? Mais non! Le sépulcre est sacré! C'est impensable, vous devez l'en empêcher! Cherchez-vous des réponses ou la vérité? En temps normal, Provis Fauna est administré par des assemblages autonomes, mais il semblerait qu'ils aient cessé de fonctionner depuis peu. À en croire les rapports qui nous sont parvenus, c'est vous qui avez trafiqué ces modules. Par conséquent, c'est aussi à vous de les réparer. Prenez cet accordeur, il devrait vous être utile. Et surtout, une fois les préparations terminées,
Ne vous avisez plus d'y toucher. Réparer 5 modules de défense. Ah bon, on a fait ça, non ? Votre avenir vous attend. Quelles sont les nouvelles ? Tout n'est qu'illusion. Si nous avons bel et bien affaire à des seigneurs de l'effroi, ils pourraient être déguisés en n'importe quoi, y compris en créature de Zereth Mortis. Par chance, nous avons exactement ce qu'il faut pour dissiper leurs illusions. Passer les champs au peigne fin et tester l'automa. Si vous dénichez un seigneur de l'effroi, réglez-lui son compte, séance tenante. Trouver et tuer 4 seigneurs de l'effroi. Les fers du passé restent lourds à porter. La demande de renfort de Morgren est inattendue. Nous avions prévu de poster davantage de troupes dans le secteur.